Bonjour et bienvenue dans cette troisième émission du MAG On Se Lance. Aujourd'hui, nous allons tourner hors fanzone. Nous allons donc vous faire découvrir l'agglomération de Lens-Liévin. Mais tout d'abord, retrouvons Valérie dans la fanzone. Viva la France! Dans mes bourrins! Bonjour à tous, merci Charlie, toi tu es en dehors de la fanzone, moi je suis à l'intérieur, tout le monde s'affaire ici dans les stands pour préparer l'ouverture de cette grande fanzone à Lens, le département, le Louvre-Lens, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, l'office du tourisme, vous voyez il y a de l'ambiance derrière, on l'entend bien, les différents stands, les sponsors, le poste de secours, etc. C'est bien sûr le magazine OSL numéro 3 qui débute, nous allons nous retrouver dans la ville pour vous faire découvrir les trésors qu'elle recèle avec nos invités et nos rubriques. Voilà, vous découvrez un peu l'envers du décor avec la fanzone qui va se remplir de supporters. On retrouve tout de suite Camille qui vous parlera info et actu. C'est juste après Vibration, le clip ambiance de la semaine. Allez, on se lance. Et oui, Valérie, cette semaine dans l'actualité, ne ratez pas le début des soldes d'été. Depuis mercredi, les magasins soldent leur collection jusqu'au 2 août prochain. Alors ce ne sont plus 5, mais 6 semaines pour tenter de faire de bonnes affaires. Et le projet de transfert de la maternité de Liévin est toujours d'actualité. Et si le projet est mené à bien, eh bien les accouchements liévinois se feront à partir de janvier 2017 à la maternité de Lens. Et sur le territoire, les maternelles de la commune d'Avion ont fêté leur fin d'année avec leur traditionnelle kermesse. Toujours à Avion, le cinéma familial a lancé une opération école et cinéma. Les élèves ont pu travailler autour des films présentés. Et la mairie de Arn, accompagnée de Maisons et Cités, ont eu l'idée d'embellir la commune avec des fleurs. Les jeunes ont pu jardiner et distribuer des jardinières aux habitants.
À Liévin, le triathlète David Hauss est venu encourager les jeunes au biathlon, vélo et course à pied dans le cadre du mois du plein air. Et pour finir, les habitants d'Avion et les bailleurs du Pas-de-Calais Habitat se sont retrouvés le temps d'une après-midi pour essayer de résoudre leurs problèmes et de trouver des solutions. Attendre, accueillons s'il vous plaît les élèves de la classe de Madame Berichy et Madame Chauvel, place au cirque. La fin de l'année scolaire approche à grands pas et les vacances d'été sont déjà dans toutes les têtes. Pour fêter ça, les élèves de la maternelle Jean Lursa d'Avion ont participé à leur traditionnelle kermesse. Déguisement, spectacle, musique, tous les éléments étaient réunis pour que petits et grands passent une bonne après-midi. De la ville dans le cadre de l'opération École et Cinéma. A cette occasion, les élèves ont travaillé en atelier sur le film Kériti et la Maison des Contes. Le principe de l'opération, c'est que les enfants voient trois films dans l'année. Et ensuite, suite à la projection, il y a un intervenant de l'association de la suite dans les images qui se déplace dans les écoles et pour travailler autour des films. Donc après, en fonction des thèmes qu'ils ont choisis. Et nous, tous les ans, à la clôture de cette opération, on a décidé d'accueillir les enfants une journée entière. Donc ils arrivent le matin, on leur fournit le sandwich, ils visionnent un film, ils travaillent soit sur le film lui-même, soit sur un thème qui est abordé dans le film. Et ils repartent une fois qu'ils ont terminé la journée. Malgré un début de mois plutôt pluvieux, juin est généralement synonyme du retour des beaux jours, la mairie de Arnes et le groupe Maison et Cité ont encadré les élèves de l'école Pasteur qui ont participé à l'opération Fleurissement de Cité. Les élèves ont d'abord appris les techniques élémentaires du rempotage avant d'effectuer la distribution des fleurs dans le voisinage. Une opération sympathique qui aura permis à chacun de passer un moment convivial ainsi que de donner des couleurs aux façades des maisons de Arnes. Pour les élèves des écoles primaires de Liévin, juin rime avec sport, avec le mois du plein air. À l'occasion d'une course de relais disputée au Val de Souchet, combinant course à pied et vélo, les élèves ont pu rencontrer David Hauss, membre du triathlon club de Liévin, 4e aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et champion d'Europe en 2015. Là, c'était rencontrer un peu les jeunes. Ils avaient une rencontre sportive basée sur les sports enchaînés, course à pied, vélo. Et donc, voilà, parler un peu de mon expérience, parler un petit peu avec eux, répondre à leurs questions. Et donc voilà, signer quelques autographes, quelques cartes de dédicace pour leur donner un peu de motivation et voilà, qu'ils puissent peut-être s'accrocher à quelque chose. Après une période de tension avec leur bailleur social Pas-de-Calais Habitat, les habitants du quartier République d'Avion ont repris les négociations avec les représentants du bailleur. Une réunion arbitrée par le maire de la commune, Jean-Marc Tellier. Les locataires ont formulé 211 cahiers de doléances afin de réfléchir aux différents problèmes. Habitants, bailleurs et municipalités se sont ensuite réunis dans la matinée du 9 juin pour constituer un premier groupe de travail. Les Lensois ne s'y attendaient pas. Le triple ballon d'or Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers portugais vont fouler la pelouse du Stade Bollard samedi 25 juin à 21h. Johanna Salgado, portugaise et en France depuis 45 ans, nous fait part de son étonnement. C'est une super aventure. Enfin, pour nous, on ne s'y attendait pas du tout. Et ça a été vraiment... une super surprise, quoi. On a vraiment trop de chance. J'attends vraiment de l'émotion, qu'ils se battent. Ils ont la chance d'arriver déjà à ce niveau-là, donc qu'ils se battent et qu'ils nous ramènent une belle victoire. L'équipe portugaise affrontera les damiers croates pour ses 8e de finale. On leur souhaite évidemment bonne chance ou encore... Boa sorte. Et temos que ganhar. Tu veux pas qu'on passe une soirée en amoureux pour une fois? Oui, mais non, on est mardi, c'est le match ce soir. Allez, s'il te plaît, il y en a pour ton foot en ce moment. Oui, bah, moi, oui, bien bah, qu'on passe une soirée à deux. En plus, ça commence. Tu peux le mettre, vas-y. Allô, maman?
Ouais, tu fais quoi ce soir? C'est un castor. Ouais, tu peux venir manger à la maison? Dans un quart d'heure, tu peux être là. Oh, mais c'est super. Je t'adore, maman. C'était Sandra et Cyril de la compagnie de l'Artois pour vous ravir. Nous sommes maintenant devant le stade Bollaert de Lelys, le stade mythique des 100 et or, et nous accueillons Bruno Cavaco, ancien élu de Lens et consul honoraire du Portugal à Lille, pour qui demain sera une belle journée. Bruno Cavaco, bonjour. Bonjour. Alors demain, c'est donc un gros moment pour vous ici à Lens? Ah bah oui, effectivement, le hasard des calendriers sportifs fait que effectivement Lens va accueillir le Portugal. Donc moi qui suis lensois d'origine, effectivement, c'est une grande fierté d'accueillir l'équipe nationale portugaise ici à Lens. Les supporters portugais vont être nombreux, je suppose. Ah bah je pense qu'évidemment ça va se déplacer. Hein. Vous savez, de ville en ville, les supporters suivent leurs équipes. On a aussi une très grande communauté portugaise ici en région Hauts-de-France. Et forcément, je vois déjà, les gens font déjà la queue, mais je crois qu'il y a déjà plus de place. Ça se vend déjà au marché noir. Ah oui. Vous qui connaissez bien la commune, quelles sont vos impressions sur cette Euro 2016 depuis le début? Bah, c'est un très beau succès, évidemment. C'est une opportunité pour la ville de Lens d'accueillir une partie de l'Europe ici à Lens. On voit évidemment qu'il y a une vraie dynamique de centre-ville et malgré les craintes qu'on aurait pu avoir, on voit très bien que effectivement tout pour l'instant, et on touche du bois, tout se passe très bien. Ça fait vraiment une bonne animation. La fan zone marche très bien, une très bonne ambiance. Et on peut féliciter les supporters des différentes équipes qui se sont venus ici à Lens pour leur esprit d'équipe, pour leur esprit de camaraderie. Effectivement, ça se passe très bien. Et je pense qu'économiquement aussi, c'est intéressant à la fois pour les commerces, mais aussi pour l'image de notre ville en Europe et voire dans le monde. Vous mesurez déjà, en discutant avec les partenaires économiques, etc., l'impact médiatique et économique qu'il y a sur la ville de Lens grâce à cet euro? Alors bien sûr, tous les commerces n'en profitent pas forcément. Il y a plus d'autres que d'autres. Mais évidemment, la restauration, l'hôtellerie, les cafés, forcément, c'est eux qui en tirent un peu plus, évidemment. Mais on voit qu'en parallèle, effectivement, il y a aussi des achats, forcément, parce qu'en plus, les gens qui viennent ont plutôt un bon pouvoir d'achat. C'est pas mal de milliers, voire de millions d'euros qui sont dépensés sur le territoire pour cette coupe de l'Euro 2016. Est-ce qu'il y a des commerçants ou des entreprises portugaises sur le bassin minier? Ah oui, bah vous avez pas mal des commerçants de centre-ville. J'étais encore hier avec une équipe du Portugal journaliste à Salgado, rue de la Paix. Nous avons aussi Gongalves, l'opticien aussi, qui est dans le boulevard Basgui. On a aussi des entreprises aussi dans le bâtiment. Il y a une petite, alors c'est pas la plus grosse communauté à Lens, puisque c'est plus d'origine Roubaix-Tourcoing, mais on a effectivement des Portugais. Et souvent les Portugais, vous les retrouvez, ce sont des entrepreneurs. Donc effectivement, c'est souvent des chefs d'entreprise. Le Portugal, on dit toujours, c'est 3F aussi. Hein. C'est le football, c'est le fado, la famille, mais c'est aussi des entrepreneurs. Voilà, c'est l'image qu'on donne souvent des Portugais. Ils vont être nombreux dans le stade? Vous serez ah avec bah, eux, ils vont être nombreux dans le stade, ils vont être nombreux aussi derrière les postes de télé. Il y a vraiment une ferveur autour du Portugal. Et je peux vous dire aussi qu'il y a pas mal de Français qui vont soutenir l'équipe, parce que je suis beaucoup entouré d'amis qui vont au Portugal, soit pour les vacances, même aujourd'hui pour acheter des maisons. Le Portugal est vraiment en vogue en ce moment, et c'est un pays qui est très apprécié des Français pour l'accueil. Mais aussi, on commence à découvrir ce qui est ça qui était très intéressant, que le Portugal a aussi des intérêts d'échange économique. Il ne faut pas oublier que c'est le troisième fournisseur et deuxième client de la France. Et le territoire de Lens, avec ses spécificités, notamment sur le développement durable, sur le numérique, je pense effectivement à vraiment des ponts aussi à créer avec le Portugal dans les relations économiques, mais on peut dire aussi touristiques et culturelles. Et on y mange très bien aussi au Portugal. Et on y mange très bien, tout à fait. Voilà, équilibré. vos pronostics pour demain, pour le match Portugal-Croatie, une petite idée, et pour celui de la France en huitième de finale? Bah écoutez, moi je dis que le Portugal, effectivement, on a vu qu'une équipe très technique, une équipe très, je veux dire, qui a manqué un peu jusqu'à présent de réussite, mais le niveau est là. On a vu qu'au dernier match, Ronaldo
Et bien ça y est, il trouve ses marques puisqu'il a marqué quand même 2 buts. Donc là, je pense que vu l'enjeu, je dis que le Portugal peut gagner. Allez, soyons fous, disons un 3-2. Donc on leur souhaite bonne chance aux Portugais et aussi aux Croates quand même. Ah oui, bien sûr. Et je veux dire, c'est l'esprit d'équipe. Bonne chance aussi aux Croates. C'est aussi une très bonne équipe. Effectivement, ça va être un match qui va être difficile. Mais je suis chauvin aussi. Je dis voilà, une victoire du Portugal. Et la France, dimanche soir ? Bah écoutez, c'est pareil, hein, je suis français avant tout, donc même si j'étais nommé consul honoraire, même si je porte aussi un nom portugais, je suis français et je soutiendrai effectivement la France, c'est dimanche, hein, c'est ça le match à 15h, donc allez, on va dire un 2-1. D'accord, donc on verra le résultat. Merci Bruno Cavaco. Bah de rien, c'est moi qui vous remercie. Au revoir, bonne chance au Portugal. Et bah écoutez, vous aussi, à bientôt. Merci. Au revoir. On souhaite donc bonne chance aux Portugais et aux Croates pour ce grand match à Lens avec un bonus pour les supportrices. Vous le savez, le beau Cristiano Ronaldo qu'on n'a pas voulu accueillir sur notre chaîne de peur des émeutes. Émeutes que la sous-préfecture et la préfecture ont su éviter depuis le début de l'Euro grâce à un système de sécurité au point que vous retrouvez dans un reportage de Camille Tombré, Zakaria Zaiti et Charlie Carton. Tout au long de l'Euro 2016, le PC sécurité de la sous-préfecture de Lens se tient prêt à intervenir en cas de problème ou de débordement. On a un dispositif très renforcé, que ce soit au niveau de la fan zone ou que ce soit au niveau du stade. Là, c'est 100% des personnes qui entrent sur la fan zone ou qui entrent sur le stade passent par les palpations. J'ai demandé qu'il n'y ait aucune exception. Je suis moi-même soumise aux palpations. Donc, on a aussi un dispositif immédiatement à l'arrière des palpations de police présent, visible. De manière à ce que les supporters les voient. Ils seront derrière les tribunes, vous ne les verrez pas s'il n'y a pas à les voir pendant le match, mais néanmoins ils sont prêts à intervenir au niveau du stade en cas de besoin. C'est un dispositif qu'on avait mis en place pour Angleterre, Pays de Galles, mais qu'on va laisser parce que, bon, de manière générale, ça a été apprécié, donc on va le maintenir. Un dispositif qui s'est donc avéré efficace, tout comme les arrêtés préfectoraux concernant l'alcoolémie et l'utilisation des fumigènes. Le PC sécurité mis en place permet donc d'intervenir rapidement. On a déjà fait 4 interpellations aujourd'hui, 2 personnes pour des ventes à la sauvette et 2 personnes pour des fumigènes en dehors de la fan zone, mais c'est néanmoins contraventionnel, donc on les a interpellés. Et à partir de là, on a une identification parfaite, hein. On peut zoomer, grossir la personne. Si on ne peut pas l'arrêter immédiatement, elle est repérée, suivie à la caméra et arrêtée. Voilà, c'est très efficace. Par exemple, quand il se passe un événement dans un stade, il n'est pas toujours évident et parfois il peut même être contre-productif en termes d'ordre public d'aller immédiatement chercher la personne. On va provoquer plus de troubles à l'ordre public qu'on a arrangé le problème qui est terminé souvent. On l'a identifié, photographié, on l'attend à la sortie. La vigilance reste cependant totale sur le département. Alors, on avait au cours de ces 4 matchs qui ont été annoncés se déroulant à Lens, il était déjà annoncé un match qui était à risque, qui était celui d'Angleterre-Pays de Galles, donc qui est passé, qui a eu lieu jeudi dernier. Donc le premier match et le troisième match ont été annoncés de classe normale, c'est-à-dire sans risque particulier, mais qui dit sans risque particulier ne dit pas sans risque. Donc on est obligatoirement astreint à monter un dispositif en rapport avec la menace. Un dispositif opérationnel grâce aux différentes administrations. Alors, tout est centralisé ici, au PC opérationnel que vous découvrez ici, où chaque représentant, chaque administration a son représentant ici au PC. Donc la police nationale, sécurité publique, compagnie républicaine de sécurité, la gendarmerie, le SAMU, les sapeurs-pompiers, la mairie, l'organisateur est également présent. Tout converge donc ici. Tout le monde a le même degré d'information et c'est en fonction des événements qui nous sont soumis que la réaction est prise ici et est répercutée en direction des unités de terrain, quelle que soit l'administration concernée. Des services compétents, mais néanmoins discrets. On va tout faire pour que ce soit vraiment une fête réussie pour notre département et pour Lens surtout. Bonjour, alors aujourd'hui on vous propose l'accessoire indispensable du supporter.
C'est l'écharpe aux couleurs de la France avec marqué France dessus pour bien qu'on sache que tu supportes les bleus. Par contre, snarf, ça veut rien dire. Hein. Ah oui, pardon. Ah, c'est mieux. Pour bien utiliser ton écharpe, assure-toi que tu n'es pas le seul supporter de la France dans les gradins. Brandis l'écharpe dans le sens de lecture. Si tu n'es pas sportif, conseil, échauffe tes biceps, ton radial et tes deltoïdes. C'est tout pour l'accessoire du jour de l'Euro 2016. On se retrouve quand on se retrouvera. Allez, ciao, bye bye.